Salut tout le monde, c'est NeoCache2, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce Saints Row 4, c'est un putain de jeu de ouf. Donc je suis désolé, mais réellement, cet épisode, c'est l'épisode 3. Eh oui, mais même si c'est marqué épisode 2, faut pas se fier à ce qu'on voit sur internet, hein. C'est un conseil que je vous donne. Non mais je déconne, mais sérieux, c'est l'épisode 3, parce qu'en fait, l'épisode 2, je l'ai tourné, donc j'ai fait l'émission de l'épisode 2. Mais malheureusement, ça n'a pas enregistré la voix. Donc voilà, je continue quand même ce let's play parce que c'est hyper cool ce jeu. Et donc ça va vous mettre une grosse claque quand vous allez voir déjà mon skin que vous n'avez jamais vu. Voilà la classe. Le petit bonhomme vert, donc avec son chapeau, son petit bonnet vert et ses lunettes 3D. Voilà, donc ça déboîte. Et donc aussi les super pouvoirs que vous n'avez jamais vus. Voilà, un peu. Le genre de truc que l'on peut faire. Voilà, donc un petit cheat pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc voilà, ça c'est quelque chose à faire. Ok, c'est pas du tout ça. Hein. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur internet. Non, je déconne. On va arrêter avec cette phrase de merde. Non, sérieux, pourquoi ça marche pas? YouTube, je le fais. Ah, faut peut-être monter plus haut. Je vais trop haut, en fait, maintenant. Merde, ça marche plus. Parce qu'en fait, tu vas sur des barrières comme ça. Et faut peut-être aller tout en haut. Hop. Voilà. Ah, merde. Ouais, enfin bref. Vous montez sur une barrière comme ça. Faut un pilier plus petit, je pense. Et en fait, vous montez. Et en fait, ça vous fait du respect, en fait. Je suis allé jusqu'à 200. En fait, c'est quand vous escaladez un immeuble, logiquement. Normalement. Parce qu'on peut monter les maisons. Merde, j'ai plus de pouvoir là. En fait, c'est la petite jauge en bas là où vous voyez avec l'arme, là qui est en train de se remplir en blanche. Ça, c'est ce qui nous donne le pouvoir. Donc les armes aussi, je me suis acheté quelques armes. Ça, je l'ai volé à un extraterrestre, à un petit voleur de kebab. Hop, le fusil à peupon. Hop, la mitraillette, donc avec un élastique original. Oui, je ne sais pas viser, oui. Ouais, on va un peu vite maintenant. C'est vrai que ça sert plus à rien maintenant, du coup, les voitures. Mais donc, je me suis quand même personnalisé des petites belles voitures. Et on va quand même continuer, du coup, l'émission. Hein. On va pas... Pardon. On va pas s'arrêter là. Hein. Allez, c'est parti. On passe à la mission tank. Et on va tout niquer. Je referai quelques trucs que vous n'aviez pas vu... Ah, c'est là, bah autant passer par là. Oh. C'est là, ouais. Ouais, on est d'accord, ouais. C'est parti. Bon, j'imagine qu'on va être en tank, et qu'on va... Ah non, même pas, c'est pas un tank. Bon, j'ai rien compris, alors. Je dois confondre. Alors... Bon, j'ai jamais utilisé cette arme. Ah ouais, ça c'est cool, ça. On peut faire péter les... Est-ce qu'on peut... Ah ouais, voilà, c'est ça que je voulais. Bon, il n'y a rien à péter ici. Ah mais... Ah, d'accord. Par contre, j'aime pas du tout ce véhicule. Putain, je suis en train de me faire péter le cul. Je veux pas me faire botter le kebab. Putain, j'aime pas les hélicos, ils bougent, ces connards. Putain, mais en fait, ils me niquent. Mais ils me niquent vraiment grave. Voilà, toi t'es mort. Bah toi aussi, hein, bientôt. Je t'achève, easy money. Bon bah, dans pas longtemps, je suis mort. Alors hop, je les niquer là-bas. Là. Je sais pas où ils sont passés. Mais il y a plein de points rouges de partout. Faut quand même pas niquer tout ça. Apparemment si. Il y a eu un petit bug là, je crois. Hop. Allez, venez là, bande de kebab. Je vais vous manger. Petit lag, ce n'est rien de bien grave. Et vous voyez les trucs bleus en fait qu'il y a sur les toits. En fait, c'est les points pour... C'est les points pour avoir... en fait, c'est une autre sorte de monnaie, on va dire. Et ça vous permet d'augmenter les pouvoirs, en fait.
Ça permet d'acheter des capacités de pouvoir. Voilà comme on peut s'augmenter, hein, comme vous le savez, comme on va le voir durant les prochains épisodes. Il faut que j'attende d'avoir un peu plus de fric pour m'améliorer. Donc on peut améliorer sa santé, améliorer nos potes, les véhicules, enfin on peut vraiment tout améliorer. Se booster. Hop, ça c'est fait. Allez, encore un petit peu. On a bientôt réussi. Voilà. Il nous reste encore un peu. Bon, je m'attends pas à faire des scores énormes, surtout sur ça, surtout en hélico. Je pense que c'est Futurite qui serait bon à ce petit truc. Je sais pas pourquoi c'est un pilote. D'hélico évidemment, pas de voiture. Faut pas exagérer non plus, hein? Bon, parce qu'on l'a vu sur. Vous pouvez regarder nos vieilles vidéos sur. Comment ça s'appelle? Need for Speed, pardon. C'était pas un as du volant, hein? On peut se le dire entre nous. Non, on va arrêter de clash un peu. Voilà, hop. Bon, bah finalement, on est pas mal là. Alléluia. Voilà. Bon, c'est fini. Bon, bah je trouve que c'est déjà pas mal. Au moins, on aura fait cette mission. C'est vrai que j'ai gagné tout ce fric là? Non, c'est pas possible. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais gagné cette somme d'argent. Je me suis dit non. C'est pas possible, non. Eh ben non, c'est pas vrai. Ah, ces enfoirés. C'est comme des touchants qui travaillent dans des salles de poker, tu sais, ils voient des milliards et des milliards d'euros défiler, puis au final, eux, ils ont 1000 euros par mois. Je déconne peut-être pas à ce point non plus. Mais bon, ça doit faire chier quand même. Voilà, on peut monter les murs comme ça. Oui, donc je me suis acheté déjà une capacité qui est de voler comme ça, en fait. Et ça, on peut pas le faire à la base. Voilà, donc les points monnaie. Oh, énorme! Énorme! Je vais tomber! Oh, belle tache de sang. Ça va, on saute haut, hein. J'ai amélioré aussi la capacité de sauter haut, hein. Comme vous pouvez le voir, je pense que ça se voit. Pour ceux qui ont le jeu et qui se disent: putain, mais moi je saute pas aussi haut quand même. Putain, ça fait chier quoi. Ne vous en faites pas. Alors, bon, maintenant on va où? On va où ils nous disent aller, hein. Alors, hop. Rapidos, on va se casser le cul. On y est presque. Merde, je crois que je suis allé au mauvais endroit. Au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est quoi ce bordel? J'ai pas compris là. C'est pas grave. Bon, faut aller là-bas. Voilà. Bon, on y est. Voilà. Maintenant, on va voir le tank. Ah putain, il a de la gueule. Oh putain, c'est génial ça. Je l'avais encore jamais vu ce tank. Waouh! Oh, il fait mal. Oh putain, il fait mal les gars. Putain. Alors ça, pour défendre nos kebabs, les gars, la guerre est bien engagée, j'ai envie de vous dire. En plus, c'est con, c'est parce que c'est un véhicule ennemi. Mais enfin, je sais pas, c'est un véhicule ennemi, mais on le prend quoi. Enfin, je trouve ça un peu bête par contre. Ils auraient dû le mettre en bleu quoi. Bleu, la couleur de la Itox. Eh oui. Couleur de la France. Et de l'Italie. Allez, l'Italie. Allez, allez. On les écrase, on s'en bat les couilles. On est des fous, on est des kebabs malades. Yeah. Voilà, t'exploses ta race, toi. Je pense qu'il faut. Vaudrait mieux aller. Par contre, il y a des gens par là. Putain, c'est chiant. Ça met du temps à tourner. Un coup l'un, un coup l'autre, et voilà. Je crois qu'on meurt pas, hein. Logiquement on meurt pas. C'est impossible qu'on meure. Je serais peut-être mort depuis longtemps. Avec l'hélico de tout à l'heure. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un putain de tank derrière moi. Ce n'était pas une impression. Toi tu crèves, merci.
T'étais mignon, mais voilà. Allez. Je vais commencer par tuer tous ceux qui sont là. Mais ils sont à l'intérieur du truc? Attends, est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur? Mais non, on peut pas rentrer, mais je comprends pas ça alors. Je ne comprends pas pourquoi ils nous disent. Ou alors. Non, ils sont pas là-haut. Bah non, c'est pas possible. Je comprends pas pourquoi ils nous disent d'aller là alors qu'on peut pas y aller. Enfin, c'est pas grave, hein, mais. C'est juste que ça me fait pleurer, quoi. C'est cher, quoi. En fait, faut faire des dégâts, on s'en fout des points rouges. On s'en bat les couilles. Putain, c'était juste à temps là que j'ai eu le bronze. Hein. Bon. Allez, on passe à la suite. Bon, ça, c'est des missions un peu externes, hein, je trouve. Hein, qui sont pas vraiment en rapport avec l'histoire et tout ça, mais. Ils nous montrent un peu ce qu'on peut faire. Hein, normal. Parce qu'il y en a qui iraient pas de leur plein gré. S'il n'y avait pas ces missions basiques. On était à deux doigts de se faire écraser. Mais non, il s'arrête. C'est que c'est moi le boss. Alors, bon, bah ça c'est fait, hein, non? Ouais, il n'y a plus que ça à faire. Enfin, plus que ça. Il n'y a pas que ça à faire, mais voilà quoi. Une petite amélioration, tiens. Alors. Pour améliorer quelque chose là. Petit pistolet, ça serait. Des munitions. Ouh, ça peut être pas mal aussi. Un petit trophée dédicace à Futurite. Puis allez, on s'en bat les couilles. Allez, on use tous nos frics. Comme ça, on redevient pauvre. Et comme ça, on va pouvoir redevenir riche. Allez, c'est parti. Je vous laisse s'il y a une cinématique. Allez, ouais. Putain, il y a encore plein de points bleus à ramasser. Putain, ça c'est chiant ces toits-là. Ils les ont fait exprès, franchement. Ils ont fait des toits qui rebiquent leur petit cul là. Enfin bon, ça a rien à voir. Il faut qu'on aille là-bas. On est encore pas arrivé. Easy. Presque. Comme ça on esquive les maisons, on va vraiment beaucoup plus vite avec les super pouvoirs qu'en voiture. C'est énorme. Ce jeu est tout simplement magique. Tout niqué. Hein. Par contre... truc. On n'a plus de super pouvoir. On n'a pas vraiment le temps là pour l'instant. Quand il restera quelques ennemis, parce que là pour l'instant ils sont assez nombreux normalement. Il y en a plus? Bon, en fait j'aurais pu les niquer tous en fait. Bon, alors on reste appuyé. Hop, on casse ça et on le met en bleu. Bon, j'imagine qu'on. Eh ben non, pas du tout. Toi tu vas prendre. Eh ben non. Toi t'as rien pris du tout.
Non, on va juste leur péter les couilles, on va juste leur casser leur machine. Parce que nous, on n'aime pas les machines, ok? Voilà, genre par exemple ça. Faire ça. Voilà, lui écraser la gueule comme ça. Je te veux plus dans mon secteur, bâtard. Plus jamais je veux te revoir. Ici. Bon, il en reste un ou deux ou pas? Non, même pas. Je commençais à avoir faim là. Allez, hop, on nique ça. Et puis là, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le cercle de mes deux. On va l'appeler comme ça, le cercle de mes deux. Oh putain, ils ont des boucliers, les putes. Putain, ça c'est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas de grenades, par contre. Enfin bon, ça remplace les pouvoirs, vous me direz, mais. Ah putain, en plus, ils tirent à. Putain, ils sont relous, ceux-là. Se couvrir un peu, parce que. Tiens, casse-toi. Il meurt pas, lui. On va switcher vite fait. Putain, lui là-bas là. Allez hop. Ah j'adore. Ah j'adore ça. Voilà, c'est ça que je veux voir. Putain, génial. Putain, il a fait un enchaînement de bâtards là. C'était magique. C'était magnifique. Ok, si c'était pour m'amener ce gros gorille, franchement, j'aurais préféré ne pas le faire. Bon, on va se le faire rapidos. Non mais non, mais non, mais voilà, après si. Non mais non, t'as pas le droit. Non mais il est sérieux celui-là? Comment on va niquer? Oh putain avec ça, avec ma petite amélioration. Non mais vas-y, arrête tes conneries là. J'allais le taper avec la tentacule, tu sais. Allez, on y va, la tentacule. On est des malades. On est des cochons malades. On est des fous. On est des malades. Il est où? Je te botte le cul. Je te botte le cul. Oh putain. C'était une mauvaise idée. Les gars, putain, fallait me dire qu'il frappait comme ça, là. Vous avez pas pu me le dire. Voleur de kebab, je vais t'apprendre. Kamehameha! Je le rentre à l'intérieur. Hop, je le ressors par la bouche. Merde, 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 merde. Putain, merde, 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 merde. Non, 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 je vais pas mourir, 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 je vais pas mourir. Non, 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 non. On leur tente un coup. Elle leur tente un coup là. J'ai pris l'accent marseillais là. Bon, le deuxième était plus facile. Heureusement. Putain, je suis un handicapé, sérieux. Excusez-moi, messieurs, dames. Bon, bah là, j'ai le swag là. Là, c'est cool. Par contre, je me vois mal en tuer 5 en même temps, des comme ça. Enfin bon, logiquement on devrait gagner d'autres nouveaux super pouvoirs. Donc après, ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Ah c'est génial. Ah ça c'est le truc d'entraînement. Donc ça veut dire qu'on va choper un nouveau pouvoir là.
ça fait quoi? Ah ouais, d'accord. Oh putain, c'est classe. Ah merde, trop tard. Donc je vais lui refaire. Hop, voilà. Ah c'est cool ça. Par contre, les tuer, je pourrais les tuer comme ça maintenant, les gros bourrins. Hop, je suis censé tous les glacer. Ah ça les glace tous d'un coup. Ah ça c'est génial ça. Ça c'est cool. Ils sont où les ennemis? Tu sais, ils bougent déjà pas, tu sais. C'est vrai que c'est dur à les geler, putain. Ils sont déjà gelés comme... Ça va, on n'est pas pressé. Toute la vie devant nous. Hein. J'en ai plus. Ah, là. Par contre, c'est con, le fusil à pompe, il... Ça, logiquement, ça tire plein de cartouches en même temps, mais ça en tue qu'un. Allez savoir pourquoi. Non, je peux geler ce truc là. Oh mais c'est génial. C'est génial, pétain. Ça fait quoi ça? Ok, là on va se... Ouh, il a l'air vénère. Je t'avais dit que j'allais te jeter dans l'eau, toi. Il esquive en plus. Merde, je suis au point. C'est des enculés, putain. Fallait pas me mettre au point contre lui. Vas-y, je l'ai fait avant lui. Hein? Ça l'a fait 2 heures après, j'avais pas appuyé sur le bouton. Ah, mais ça le gèle que dalle. Mais il est sérieux? Attends. Pas compris là. Ok. Bon bah apparemment c'est ce qu'il fallait faire, fallait geler 4 fois. Hein. Ça fait mal à la tête, hein? Désolé. Bon, allez, on est parti. Voilà, on a regagné un peu d'argent. C'est cool ça. Allez, là on continue l'émission. Alors maintenant, voilà, on peut faire ça maintenant. Ça c'est génial. Voilà, on gagne l'expérience en fait. Des améliorations, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est là les pouvoirs. Donc là on vient de gagner ce nouveau pouvoir amélioré, et là voilà ce qu'on pourrait faire avec. Donc comme j'ai beaucoup de fric, on va prendre ça, on va prendre ça. C'est quoi ça? Ah d'accord, plus de zones d'explosion. Et je vais voir si j'ai gagné d'autres. Ah, j'ai plus que 5 machins. Ah, j'ai de nouvelles améliorations. C'est pas grave, on va aller en chercher. J'en chercherai en hors vidéo, hein. Ça sert à rien de vous montrer. Comment on gagne des points, hein. C'est très ennuyeux. Hop. Fusil à pompe. On a même pas assez de fric. On peut améliorer tout ça, niveau des améliorations, du XP. En tout cas, voilà. Voilà, c'est le jour de paye. Ça tombe tous les mois. Sauf que là, je gagne que dalle. Allez, on est reparti. On va peut-être faire un tour à la boutique. Comme ça, je vous montre un peu les armes. Au marchand de biscuits. On va prendre des BN et des granolas.
Allez. Non, on n'a plus de jus. Bon bah tant pis, hein. Putain, c'est con, en plus il y avait des trucs sur les toits. Bon là on peut sortir, hop. Ah, y a du fric. Merde, j'avais pas vu. On va le prendre celui-là. Eh ben non. Eh ben si. Toi, je t'ai vu, toi. Bouge pas. Oh, le fail! C'était horrible. On va y aller rapidos, hein. Comme j'avais dit tout à l'heure, nous sommes pas là pour prendre les trucs bleus. Mec, il dit des trucs puis après il le fait pas, tu sais. Bon, allez, on arrête de déconner. Par contre, j'aurais bien aimé trouver une boutique. Je pensais qu'on en croiserait sur la route, mais là c'est mal parti. Hop, on va chercher la carte. C'est grand cette merde, non? Merde. C'est vrai que cette touche maintenant, elle sert à quelque chose. Putain. Comme c'est la dèche par contre, quand t'as pas de pouvoir, c'est une boutique de fringues, merde. De derrière le pont, j'aimerais aller derrière le pont, s'il vous plaît. Donc il me semble que c'est par là, hein. Je vais regarder sur la carte parce que... Non, c'était là que je voulais aller. C'est vrai que c'est pratique les GPS quand même, hein. J'ai vraiment le sens de l'orientation, comme vous pouvez le voir. Allez! Bon, moi je suis un fou, moi je passe tout droit. De toute façon, je vole. Il sera plus vite. Il est sur le toit, quoi. Ah mais ça c'est la mission, ça. Bon bah tant pis pour les armes, hein. Je vous les montrerai en fin d'épisode, normalement, si cette mission dure pas trop longtemps. Puis même si elle dure longtemps, on est des fous, on n'est pas pressé. Voilà, allez, ouvre la porte. T'es une pute ou t'es pas une pute? Ok. Ça fait mal aux yeux. Rentrer dans la quatrième dimension. Gna gna gna. Ah, grave stylé ce décor. Ça ferait joli pour une intro, ça. Il est à poil! Putain, ça fait penser à Matrix. Bon, je suis à poil, vous m'en voudrez pas. Je suis un peu stone. Dédicace à Blackwing. D'accord, il y a une grosse flaque. Il écrit quelque chose, mais j'arrive pas à voir ce que c'est marqué.
De toute façon, je parle pas anglais. Donc on s'en bat les couilles. Alors, bah, je pense qu'il faut aller tout droit. Hein. Bonne idée, non? Bon, j'avance pas vite. J'avance pas droit. On peut dire que c'est la merde. Là, on peut le dire. Allez, jacouille. T'y es presque. Wow. Ah, quand même, là t'es vraiment mal, mec. Putain. C'était du liquide rouge. En fait, c'était du vin rouge, hein, je crois. T'es un violent quand même. Et allez, putain, mais oh. Tu vas y arriver, hein? Il faut un antidote, hein. Une bonne nuit de sommeil, ça devrait aller mieux. Fallait pas faire ça. Qu'est-ce que je fous? Ce qui est marrant, c'est que tu sais, il est rouge de partout sauf à la gueule. Vive les développeurs. Bon bah si, maintenant quand il a une arme entre les mains, tout de suite ça va mieux. Tout de suite le mec, il y a 2 secondes il était à 2 doigts de mourir, mais là maintenant, non. Bon tranquille, j'ai l'habitude d'avoir une arme dans les mains. Avoir une arme dans les mains c'est un peu mon réconfort en fait. Je me sens tout de suite mieux dès que j'ai une arme dans les mains. Voilà. Salut les potes. Hop. Désolé pour cette petite ellipse. On est reparti. Là, il y a peut-être quelque chose. Peut-être un bonus. Moi, j'aime bien explorer tous les trucs. Mais bon, c'est Saint-Tro, fallait pas rêver. Un jeu que je kiffais et là qui me fait vraiment penser à ce jeu maintenant avec ces espèces de créatures, c'est Gears of War. Moi vraiment quand je vois ces monstres, ça me fait penser à Gears of War. Et vraiment c'est un de mes jeux préférés. Et tout simplement j'ai la Xbox, hein. J'ai gardé la Xbox pour ce jeu en fait tout simplement. Même si je peux plus y jouer, car ma Xbox est un peu niquée mais bon. À la base, je voulais garder la Xbox pour jouer à ce jeu, cette licence qui est Gears of War. Voilà, il y a le Gears of War 1, 2 et 3. Ils sont géniaux. Voilà, je vous les conseille pour si vous êtes joueur de Xbox. Vraiment, c'est un jeu incontournable. Vraiment, l'histoire et tout, c'est nickel, c'est un jeu. Allez. On était mangeurs de kebab, on va tout niquer, Bon, on avance, hein. Elle est toujours avec son arme. Oh, il y a une autre arme là. J'aime moins bien. Putain, c'est con, on n'a pas les super pouvoirs. Hey, mais je viens de remarquer. Ils sont où mes vêtements? À poil! Warzazat! Ils sont quand même pas mal là. On vise les têtes, on vise des têtes, on nique des têtes, on nique des têtes. Mais ils sont 50 000 là, il se passe quoi là? C'est la fête au slip, c'est quoi? C'est le carnaval? Il se passe un truc là.
On m'a pas prévenu, c'est soirée déguisée, je sais pas. Oh putain, par contre eux avec les boucliers, en plus j'ai pas de pouvoir, ça va être un peu chaud je sens. Bon, c'est fini ou... Ah voilà. Bon, dans tous les cas, ils étaient 30 000. Apparemment, ils étaient invincibles pour pouvoir faire cette cinématique. Parce que si je les aurais tous tués, ceci n'aurait pas pu être possible. Par contre, lui, encore j'avais quelques chances. Mais là... Ah, mais c'est un poteau qui est dedans! J'espère que c'est Alpha Warman, notre vendeur de kebab. Ah oh ouais, c'est lui! Ah, c'est Alpha Warman. Super Alpha Warman! Ta 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 ta! Oh, il arrive au bon moment. Oh putain, il est génial. Il est génial ce mec. Merci mon pote. J'espère que tu m'as préparé un kebab sauce blanche et compagnie. C'est là-bas? Ok, j'arrive. Merci, hein. Ouais, je crois que je vais faire les voix dans les cinématiques maintenant. Je me renouvelle, je fais un nouveau métier. Salut, tu me suces la bite? Wow. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, je ne suis pas un pilote d'avion en tout cas. Ça va être chaud, ça va être vraiment chaud. Oh putain, en plus il y a les touches inversées. Genre faut aller en haut pour aller en bas et inversement proportionnel. Ah mais faut tirer, on peut tirer sur les ennemis. Ah non, Star Wars. Putain merde, oui j'inverse les touches. Aïe 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 aïe. Bon bah on recommence hein. Je ferai un petit montage comme ça. Hop. Vous patienterez pas trop longtemps à voir que de la merde. Parce que Dieu sait que c'est chiant que de voir. Ça c'est chaud ça. Waouh. Ok, on y est enfin. Dans l'univers de la galaxie. Eh bah, ça a été dur, hein. Ça a été chaud, on se retrouve après cette petite ellipse. J'ai galéré à faire ce truc de merde. Bon bah ça c'est fait. Bon, bah on a débloqué plein de trucs là. C'est ça la première mission en fait. On débloque plein de trucs. On croit que c'est génial, qu'on est les rois du monde. Alors qu'on a que là le putain de merde! C'est pas grave, on se détend. Par contre, ça c'est... C'est un téléporteur, ok. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer... Ah, on peut le mettre directement là. Ok, je pense qu'il va y avoir pas mal de nouveaux pouvoirs justement comme ça. Genre lance-flammes et compagnie quoi. Salut toi. Donc je vais vous montrer l'armurerie. Marchand d'armes, il y en a un là-bas. Ça doit pas être loin.
par là. Là, maintenant, les voitures, on les dégage comme on veut. J'adore les bugs. On peut les acheter maintenant. Ah non, on peut pas les acheter. Il y a encore une canne là. Ah, ça, je connaissais pas ça. Putain, je sens que ça va être tendu. Ah, faut que j'aille jusque là. Je sais pas, je peux faire ça. Non, sérieux? Putain, je crois que ça allait être un truc putain de complexe et tout. Je pense que ça va être de plus en plus dur en fait. Là, c'est les premiers niveaux. Alors, je vais vous montrer les améliorations des armes. Alors, voilà ce qu'on peut avoir. Donc, ça, on peut l'avoir dans plusieurs couleurs différentes. Je l'ai acheté en bleu, évidemment. Alors, personnalisation, donc ça, vous l'aviez vu dans l'épisode précédent. Je vous le remontre. Pour ceux qui n'avaient pas vu l'épisode précédent, bande de coquinous. Bon, alors, hop, hop. Voilà, et ça, c'est gratuit, c'est-à-dire que on peut mettre notre arme comme on le souhaite, ce qui est vraiment génial. Ça, d'ailleurs, je vais le modifier là, j'avais pris ça pour la déconne, mais. On peut le mettre comme ça ou comme ça. Comme ça. En fusil d'assaut. Ah, c'est déjà pas mal. Le défaut est pas mal, sinon je pense le mettre. Pourquoi pas comme ça, tiens. Je l'avais amélioré un peu. Il y a ça qui a l'air pas mal. Assez de fric. Il coûte 100? Non. Ah si, putain. Ah merde. J'ai pris une claque dans la gueule là. Alors, en or. Putain, il est BG. Oh, ça j'adore. Ça vraiment, je suis fan. La cloueuse là. Bah, il y a quoi d'autre sinon pour vous montrer? Ouais. Waouh. Là, il a la classe aussi. Putain, ça a vraiment de la gueule les nouvelles armes là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, mais ça a vraiment la classe. Sinon ça, mais on peut pas le modifier. Alors comme ça, bon. Hop. Voilà le fusil à pompe. 11. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais vous montrer rapidement, sinon on en a pour l'année. Hop, et le deuxième. Je savais même pas que je l'avais celui-là. Waouh, là il est PG, putain. Ouais, oh là là. Ça c'est vraiment un truc de fou quoi, le canon, mais. Vraiment il est canon le canon. Hein. En mode silencieux. Vraiment, vraiment de la gueule. Franchement. Ils avaient montré quelques armes. Je pensais qu'il allait avoir que ça, mais finalement, il y en a vraiment plein. Par contre, le snipe, 35 000, et le bazooka aussi, je pense que je suis pas prêt de les avoir. Ce qui est dommage quand même. Donc je vais pas cheater hein, sur la partie, je vais pas me mettre de l'argent et tout ça sert à rien. On est là pour jouer le jeu. Voilà. Et est-ce que je voulais vous montrer d'autres? Ah oui, c'était quelque chose. C'était ça, voilà, la course. Par contre, je suis pas super bon. Ah, je vais vous montrer plutôt ça. Plutôt ça. Où on se casse la gueule. Ça, je fais des bons scores en plus. C'est le jour de paye. Allez, hop, on va sur les toits. Voilà, bon, sorti de la merde. Même si vous appelez ça de l'eau.
Alors. Alors. Mais elle est où la mission? Mais elle est où mes copains? Bon, je pense pas qu'on ira jusqu'à là-bas. En plus, surtout que j'ai plus de pouvoir. Waouh, waouh, on a sauté comme des bâtards là. Hop, t'y es presque. Bon, ça doit pas être loin. On est plus loin. Vraiment, les super pouvoirs, vous allez. Enfin, je pense que vous. En ayant vu ça, je pense que vous êtes fan. Franchement, les super pouvoirs, c'est vraiment génial. On nique les voitures, les camions, on s'en bat les couilles, on est des. Sauf que. Ça dure pas toute la vie. Allez, je suis un barbare. Allez. Vraiment, ce fusil à pompe, il est canon. Oh putain, fais pas chier. Dans 2 secondes, je suis dans une mission, tu me verras même plus. Bon, allez, par là. Selon les rumeurs. Bon, bah parfait, on tombe dessus. Attends, je crois que je confonds les missions là. Ah non, ouais, faut bien faire ça. Bah, mon gars, il voulait pas mourir, je sais pas compris. Normalement, quand on appuie sur. Ah non, je me suis trompé de touche. Ah ouais, d'accord, j'ai confondu avec R2. Voilà, le but c'est de se faire niquer la gueule. Et ça s'appelle l'arnaque à l'assurance. Voilà, donc plus on se prend des voitures, plus on rapporte de fric. Et vous voyez en haut à gauche le score que je devrais faire. Faudrait avoir le meilleur score possible. Mais l'autre fois j'étais sur une route très fréquentée. On peut dire que j'ai fait un score de malade, tout simplement. Donc c'était dans l'épisode 2 normalement. Bon là c'est censé être l'épisode 2. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, c'est réellement l'épisode 3 celui-là. Plein. C'est un grand mot. Personne, le trafic là. Vas-y, roule-moi dessus, fais pas ta pute. Enfin, si, fais ta pute. Bon, tu me roules dessus ou quoi? Ah, y a plein de trucs là-bas. Qu'est-ce quoi? Voilà, c'est ça que j'aime. Ah, là, on est sur l'autoroute. Là, ça va faire mal. Allez, allez, percute-moi. Voilà, voilà, voilà. Toi aussi. Non, allez. Putain, là, on a fait un bon score. Oh, le bug, magnifique. Alors là, c'était un des meilleurs scores que j'ai pu faire. Dommage, dommage, il a pas continué ce con. Le truc, c'est qu'il faut bien les percuter, voilà, comme ça. Je l'ai loupé. C'est quand même vraiment trop fun ce jeu, c'est vraiment énorme. Oh, les flics en plus. Oh, les salauds. Oh, les salauds, ils m'ont écrasé. En plus, j'ai pas du tout fait exprès de me faire écraser. Allez, on se fait buter. Allez. Waouh. Oh oui. Oh mais comment j'ai volé ma race là. Allez, percute-moi toi. Oui. Toi t'es un champion toi. Allez, allez. On va sur le doigt. Allez, allez, on coup de touche encore. Oh putain, c'est énorme.
Quand on est sur l'autoroute, ça va quand même vachement mieux. Y a pas à chier. Non, moi je voulais rester sur le capot. Bon, bah, médaille de bronze déjà. Il nous reste 1 minute. Oh là là, il y a moyen qu'on fasse l'heure là. J'espère. Serais-je trop ambitieux? Bon, on va aller dans le sens inverse maintenant. Allez. Allez. Toi, oui, mais oui, la police, mais oh, j'adore la police. Allez, crasse-moi! Trop tard. Ouais. Bah, pas encore assez. Allez, 19 secondes. On est chaud. Ouais, on en est loin de la meilleure de la médaille d'or, je pense, hein. Ouais, là, ça serait vraiment, vraiment trop chaud. Bah, on a fait quand même un bon score. On peut être fier de nous, hein. En plus, j'ai fait tout le travail. Oh, trop bien, j'ai gagné les 7 millions. Non, je déconne. Ouais, ça aurait été pas mal quand même. Allez, allez, quel beau char, je mens. Bon, bah voilà, hein. En tout cas, on va se laisser là-dessus sur cet épisode. C'était Neo Cash 2. Everybody come on. Non, je déconne. Bon, allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la Itox Team.